Ok. Salut tout le monde. Je vais faire attention que j'ai bien les infos, tout ça, qui sont visibles. Est-ce qu'on voit... Ouais, ça a pas l'air mal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? L'idée, c'est de présenter, pour vraiment les débutants, un tutoriel pour passer sous l'heure, en sub-60, comme on dit. Et j'essaye de faire là un peu l'équivalent spirituel du tutoriel de Mellonax, qui est en anglais pour le coup, qui est plutôt bien fait, qui est fait en une seule traite. Et qui montre justement comment on passe sous l'heure. Voilà. Donc, je le fais un peu à la volée. J'ai pas vraiment organisé ce que je voulais faire ou dire. Je mets bien mon écran. Alors, première chose à savoir, tout ce que je vous dis, évidemment, ça se fait sur la console, hein, ça se fait sur l'émulateur, il n'y a pas de problème. Moi, je vais le faire sur une console. Je connais mieux la version NTSC que la version PAL, que la version européenne. Alors peut-être que vous, chez vous, si vous jouez sur une console d'origine en France, vous allez avoir une version PAL, c'est tout à fait possible. C'est un peu différent, et je le connais pas spécialement. Mais je pense que les tricks se font tous très bien. Du moins, sont très similaires. C'est juste que le jeu va moins vite. Gardez en tête aussi que si vous voulez speedrunner et soumettre des temps à speedrun.com, il y a des règles à respecter. Donc je parle pas à la caméra. Il y a des règles à respecter et ces règles, elles sont disponibles sur speedrun.com dans la section des règles du jeu. Et donc je vous conseille du coup de, si vous devez runner le jeu sur émulateur, d'utiliser SNES 95, ouais c'est ça, 80, je sais plus, SNES 9X ou BSNES via RetroArch. Voilà, sans perdre trop de temps, on va commencer. Sachez que là je joue sur ce qu'on appelle le Practice Hack, qui est disponible. Faut rechercher Practice Hack Super Metroid, ça va arriver tout seul. La référence va arriver tout seul. Et première chose, dans les settings de contrôleur, voilà moi mes contrôleurs, enfin ma manette, comment je la paramètre. C'est similaire à ce que le runner Shiny Zenny, un des meilleurs du monde, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un super, super joueur qui a aussi des tonnes de tutoriels en anglais pour le coup. C'est le même schéma que lui. C'est pas le schéma standard que j'ai, donc voilà le mien. Mais pour le coup, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est vraiment vous, comment vous jouez, comment vous avez envie de jouer, comment vous êtes confortable. Moi, il s'avère que c'est comme ça. Par contre, ce qui est absolument important, c'est dans les special settings, c'est d'avoir Moonwalk à on. C'est très important. Je vous montrerai plus tard pourquoi, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir. Alors. On va démarrer. Donc là, la practice hack, sans doute que je commence au vaisseau, donc je vais faire en sorte de charger au niveau de Cérès, voilà, de la station Cérès. Donc dans les presets de la practice hack, pour information, ce que je vous propose, c'est la catégorie que je run pour l'instant à mon niveau,
c'est la KPDR 25, c'est-à-dire avec 25 missiles, ou on appelle ça aussi Early Ice. Puisqu'on va aller chercher le rayon de glace en avance. Voilà, donc je vais pouvoir aller commencer à l'ascenseur de service. Là ici, traditionnellement, vous pouvez juste descendre comme ça, vous n'allez pas perdre trop de temps. Hop, et vous passez comme ça, d'accord? Vous allez voir, en général, les... Comment, pour commencer, un bon petit trick à faire dès le départ, c'est déjà de tourner autour des escaliers, comme ça. Ça fait gagner pas mal de temps déjà dès le départ. C'est pas excessivement difficile. Ça se fait bien. Entraînez-vous à le faire. Il n'y a pas de... Faut vraiment... partir bien en boule, en fait, sauter en tournant et pas sauter comme ça, d'accord? Faut vraiment sauter comme ça. C'est quoi la différence? C'est donc vous voyez en haut à droite hein, de l'écran, vous avez mes boutons et vous voyez aussi les boutons sur lesquels j'appuie dans mon HUD de Twitch là. La différence, c'est si j'appuie avant sur le saut. Ou en même temps, enfin si j'appuie avant sur le saut, et après, je vais partir comme ça, d'accord, sans me mettre en boule, d'accord. Si j'appuie un peu avant sur avancer, et après sur le saut, je vais partir comme ça, en boule. Donc c'est des distinctions qui sont importantes, on verra sur des tricks qui seront un peu plus tard. Voilà. Donc ici, ce que vous faites, bon, on va reprendre, hop, en boule comme ça, paf. Ici, vous allez le plus vite possible. Et hop, vous bloquez. Alors, chose intéressante aussi. Vous pouvez bloquer complètement le mouvement de Samus. En appuyant sur les boutons R ou L. D'accord? Donc, je cours. Elle se bloque complètement. Et ici, pour éviter de perdre de la vitesse ou d'en regarder un peu, vous voyez, les portes, à un moment donné, elles s'activent. Un bon trick à faire pour... bien bloquer et pas banquer les portes, parce que qu'on perd de la vitesse et du momentum, c'est de banquer juste avant, enfin de banquer, d'appuyer juste avant pour se couper. Ce que je fais là, on reviendra dessus, c'est du arm pumping. C'est pas ce qu'on appelle le arm pumping. C'est pas absolument essentiel. Sur une run, ça va vous faire gagner quelques secondes. Pas beaucoup plus. Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire dès le départ, ça coûte rien. Si vous voulez vous améliorer, mine de rien, c'est du temps qu'on gagne. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Donc vous voyez, j'appuie hein, vers le haut, vers le bas. En fait, à chaque fois que vous faites ça, la position de Samus bouge d'un pixel, vers la droite ou vers la gauche. Vous avancez littéralement d'un pixel à chaque fois que vous le faites. Donc, c'est pas grand-chose, mais ça fait gagner du temps. Alors la première, je vais sauvegarder un peu, voilà, la rencontre avec Ridley. Donc là il s'avère que bah, vous pouvez absolument rien faire, Ridley va apparaître et vous vous laissez toucher 4 fois par sa queue, 2, 3, vous sautez parce qu'il va monter, 4, et vous ressautez, voilà, pour toucher. Si vous vous faites toucher 5 fois par sa queue, vous allez avoir la larme. Ici, vous essayez d'aller d'ouvrir le plus vite possible. Hein, je vais le refaire. Je vais refaire ça pour vous montrer. À la limite, je vais refaire le truc. C'est pas. Hop. Donc on descend. Hop. On avance. On court. On se prend pas ça. On bloque. Moi personnellement je saute comme ça, je sais pas, y a pas vraiment, c'est pas vraiment beaucoup plus rapide, mais je trouve ça plus confortable. On bloque devant, arm pump, on bloque, on court, arm pump, on bloque, on arrive dans la salle. Et on laisse Ridley nous mettre la misère. 1, 2... 3, 4, 5.
porte, mais là. Et là, dès que la porte commence à s'ouvrir, voire même un petit peu avant, vous pouvez foncer, tracer. En général, si vous faites là. Enfin, faites pas trop attention, hein, voilà. Autant que vous faites. Là, vous allez juste le plus vite possible. Alors, cette salle. Il y a deux pièges. Je vais charger. Dans cette salle, il y a deux pièges. Donc vous allez le plus vite possible. Et parfois vous allez vous rendre compte qu'ici là, bizarrement vous allez perdre. Vous voyez ce qui s'est arrivé là, ce qui vient de se passer. Vous allez perdre de la vitesse. Vous allez vous faire choper ou vous n'allez pas réussir à sauter convenablement. Vous allez perdre de la vitesse. Il y a ici, là, à cet endroit là. Et ici. D'accord. C'est ce qu'on appelle les magnet stairs, hein, les escaliers en aimant. En fait, il y a eu. Alors, on suppose que c'est une erreur, hein, des développeurs. Et en gros, qui ont mis un mauvais type de tile, on dirait en anglais, de sol ici, qui fait que dans certains cas, vous allez vous faire choper. Donc, j'ai pas réussi à le faire reproduire. Et donc, vous allez être ralenti complètement. Vous voyez ce qui vient de se passer là ? Là, je viens d'être ralenti encore. Voilà. Bah ça, c'est pas de bol. C'est un peu pas de bol, vous voyez, c'est arrivé encore là. C'est vraiment pas de bol. Donc en fait, tout simplement, ce que vous faites dans cette salle-là, bah vous courez. Hop, vous sautez. Là, je viens de prendre le Magnister, hop, et vous passez comme ça, tout simplement. Vous perdez pas trop de temps si vous prenez de la vapeur. Là, c'est pareil, vous y allez. Ici, c'est plus intéressant. Vous voyez, je l'ai raté. Je vais essayer de sauvegarder. Je vais arriver là. Je vais essayer de sauvegarder. Hop. Donc ici, vous verrez les meilleurs. Ils sautent. Ils prennent un D-boost, un damage boost pour se faire propulser. Pas besoin à ce niveau-là. Ici, tout de suite à la porte, vous sautez. Wall jump. Je vais expliquer les wall jump après. Voilà. J'aurais peut-être dû expliquer un peu le mouvement en plus avant. Je vais revenir dessus. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un wall jump ? Rapidement, parce que j'ai une bonne salle pour faire un exemple. Comment on fait ? Pour ça, est-ce que j'ai dans les... Ouais, bon, je reviendrai sur le wall jump plus tard. Donc, on revient, hop. J'aurais peut-être dû l'organiser un petit peu plus, mais c'est pas grave. Je vais le faire tout de suite. Là, je viens de encore me faire attraper par les escaliers, vous voyez ? Hop. Wall jump. Alors j'ai pas passé de temps. Là je me suis fait taper par le coup. J'ai pas passé de temps sur les ledge grab. Parce que pour l'instant vous en avez pas besoin. Mais cherchez des tutos sur les ledge grab. Et puis apprenez à les faire le plus vite possible. Moi j'avoue que j'ai pas appris tout de suite à les faire. Et je les regrette un petit peu. Donc voilà, ZBS. Donc un peu de... Ici tout simplement ce que vous faites, donc je vais charger un catégorie preset, je vais charger le... Donc, comme ça je pourrais y revenir. Ici tout simplement vous descendez, un pump. Une fois arrivé ici, vous visez vers le haut et quand vous arrivez à peu près à cet endroit là... Vous... Hop, vous tirez comme ça. D'accord ? Et ça va ouvrir la porte. Donc, hop, je recommence. Descends, arm pump. Voilà, comme ça, vous bonquez pas sur la porte. Pourquoi on commence à arm pumper ici ? Tout simplement parce qu'il faut pas arm pumper en descente. Si vous arm pumper en descente, voilà ce qui se passe. Il va y avoir un... Vous allez vous faire projeter parfois comme ça. Donc là, c'est passé. Là encore, mais vous voyez, là, à la fin, je me suis fait... Donc, il y a des chances que vous vous trouviez dans les airs et que vous perdiez de la vitesse. Bon, là, ça fait 3 fois que ça n'arrive pas. Mais, en gros, voilà pourquoi il ne faut pas le faire.
voilà, regardez ce qui se passe là. Hop, voilà. Voilà, comme par hasard, ça n'arrive pas, mais bon. Voilà. Donc vous pouvez commencer à arm pumper ici, vous pouvez arrêter là, charger là, et vous passez sans vous faire sans banquer, comme ça. Là, vous sautez, vous arrivez, vous commencez un peu à pumper. Et si vous pouvez commencer à sauter aussi. Donc vous sautez ici, et le but c'est d'arriver par ici. C'est d'arriver dans ce coin-là. D'accord ? Donc. Voilà. Pour les débutants, on peut juste faire ça comme ça. D'accord ? Descendre. En faisant attention à ne pas prendre les... Donc hop, on va tout de suite vers la droite, on descend. Et le but c'est d'arriver sur cette plateforme ici. D'accord, donc on recommence. On descend. Et on arrive à peu près ici. Ensuite, ici, on passe là. On descend. On... Alors, on peut faire... ça, je sais pas trop le faire, mais les top joueurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils font hop, un truc comme ça, ils passent. Ça va plus vite, ils tirent, ça souffle déjà. Vous pouvez déjà le faire. Un truc relativement similaire qui va assez vite. C'est faisable, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est on descend, on se positionne, on tire. Vous voyez, j'ai entendu. Vous avez entendu, j'ai ouvert la porte. C'est complètement faisable. Comme ça, on peut tomber directement, quasiment. Il y a autre chose qu'on peut faire aussi. Ce que font déjà les joueurs les plus avancés. Ce qu'on appelle un moonfall. Donc, je vous expliquerai moonfall exactement un peu plus en profondeur après. Bon, quoi que je peux le faire ici. Hein. Donc, en gros, il y a un mécanisme... qui fait que, dans le jeu, qui fait que Samus a une vitesse de descente qui est limitée. Ça veut dire quoi? C'est qu'à un moment donné, elle atteint une vitesse max de descente et elle peut pas. Seulement, on peut briser cette limite en faisant ce qu'on appelle un moonfall. Comment on fait un moonfall? Alors, de base, tout ce qu'il faut faire, c'est faire un moonwalk. Donc, comment on fait un moonwalk? Ben, vous appuyez sur le bouton de tir, vous maintenez le tir en diagonale, donc dans mon cas, R ou L. Vous allez en arrière et vous faites ça, c'est ce qu'on appelle un moonwalk. D'accord? Ça permet, dans d'autres conséquences, dans d'autres situations, pardon, ça permet de se placer très précisément. D'accord? Ici, vous allez voir certains des meilleurs qui font ça. Ils vont faire un moonfall ici, hop, comme ça, et ils vont descendre. Vous voyez comme elle est descendue vite? C'est faisable. Ici, c'est pas extrêmement difficile. Par contre, ça demande de la précision. Je commence moi seulement à mon petit niveau à l'implémenter dans les runs. Oups, oui. Hop. Et vous, évidemment, pas attraper là, sinon ça sert à rien. C'est ici, réellement, dans cette zone-là, que le premier moonfall est vraiment intéressant et vous allez gagner du temps. Donc, dans cette salle-là, pour commencer, si vous voulez, hein, vous pouvez le faire de manière standard. Vous tombez et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, au sixième, vous tapez une plateforme. Quand je dis vous comptez, je vais me charger un... C'est vous comptez ces plateformes-là, ici, là. Vous les comptez. Donc vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous bougez un petit peu pour passer ici, là. Donc non, moi... D'habitude, c'est à peu près 3, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais en gros, c'est 3 petits coups vers la droite, hein, vers la gauche, pardon. Mais vous allez y arriver. Donc, on prend ce laisse-tomber. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Voilà, et vous arrivez là sans encombre. D'accord? Vous pouvez déjà... Oups. Vous pouvez déjà faire ça. Un premier moonfall. Donc pour commencer, vous pouvez le faire ici, c'est plus simple. Donc, comme je vous l'expliquais, donc vous voyez, vous appuyez sur le... J'essaie de vous montrer. Vous appuyez sur le tir. Vous appuyez sur un bouton pour faire le tir, par exemple, là, vers la diagonale. Vous reculez, et au moment où vous êtes au bord, au rebord, vous sautez, et vous lâchez tout.
j'ai raté. Place. J'ai raté. Ça serait pas drôle, sinon. Voilà. Bon, ça a raté parce que je suis pas... J'ai oublié de préciser qu'il fallait tourner dans un sens. Merci. Et ensuite, vous devez faire face vers la gauche. Donc on continue. Hop, on continue. Qu'est-ce que je fais? Swag. Ça, j'espère que je pourrais l'éditer un petit peu. Je sais plus le faire depuis que je fais autrement. Voilà. Là, normalement, voilà. Là, je gagne de la vitesse. Oh, pourquoi j'ai bougé? Je vais recharger un truc ici. J'ai raté. Je sais plus le faire. Ça, je le fais plus comme ça, donc je sais plus le faire. Voilà. Il est important que vous chargiez, que vous pointiez quand vous descendez vers la gauche, que vous regardiez vers la gauche. Parce que sinon, vous voyez, là, ce que ça a fait, c'est que ça n'a pas chargé certains trucs. Ici, je peux littéralement passer au travers. Et ce que ça a fait, du coup, aussi, et là, je tape contre une plateforme qu'on voit pas, ici. Ça a complètement cassé la manière dont le jeu charge les collisions. Et notamment, vous êtes passé au travers de cette plateforme-là. Donc voilà. Là, je l'ai raté, je pense. Moi, je le fais d'ici, maintenant. Je peux pointer vers le bas, pour le coup, on peut pas changer. Et voilà. Personnellement, je le fais comme ça d'ici. Mais je sais que c'est faisable autrement. Donc ici, je récapitule, on va en arrière. Hop. Et on se laisse tomber. On prend... Pourquoi j'ai fait ça? J'ai plus l'habitude de le faire comme ça. Hop. Bon bref, salle suivante. Le moonfall, c'est comme ça. Hop. Donc c'est déjà faire moonfall par rapport à une chute standard, je crois que c'est 5 secondes à peu près. Ici, c'est ce qu'on appelle the pit, la fosse. Simplement, celle-là, vous la passez vous, du mieux que vous pouvez au début, d'accord? Et à un moment donné, vous vous entraînez à le faire à peu près convenablement. Comment on le fait à peu près convenablement? J'espère que je vais être capable de vous montrer à peu près. Ouais, donc je vais recharger, c'est con parce que... Oh. Non, c'est pas grave. C'est l'effet démo, ça, j'arrive pas à... En fait. Dans l'idéal, vous la passez comme ça. Alors, vous courez... Hop, un petit saut. Hop, j'ai raté, oui. Un petit saut, et vous arrivez à faire... Passer les plateformes. Voilà, ça c'est pas mal. Il faut... En gros, le rythme, c'est à peu près... C'est à peu près... comme ça, je vais essayer de charger hein, et de le faire une fois ou deux. 1, 2, vous voyez, j'ai pas réussi. 1, 2. Non, j'ai raté. Donc vous voyez, c'est à peu près ça. 1, 2, paf, on saute. 1, 2, on saute. Voilà. Franchement, cette salle-là, dans... J'ai déjà vu une vidéo de... En espèce de tutoriel avec un autre runner qui... enseigne beaucoup, qui s'appelle Keep. Et j'ai oublié le nom de l'autre runner, qui est un autre top runner, ça date d'il y a quelques années, où il passe quasiment 45 minutes sur cette salle, à tout expliquer, tous les trucs de mouvement, parce qu'en fait, on peut déjà tout expliquer ici, ça fait partie des tutoriels de Super Metroid, donc on vous explique le mouvement, comment ça marche. Et cette salle-là, c'est un enfer, et dans l'autre sens, c'est encore pire. Mais là, on n'est pas là pour parler des choses précisément. Passez là le plus vite possible, comme vous pouvez. Essayez de le faire de manière optimale. Mais franchement, vous n'arriverez pas à le faire. Là, on descend. Vous n'arriverez pas à le faire tout de suite. C'est pas que vous n'arriverez pas à le faire. Si, vous n'arriverez pas à le faire. On descend. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On veut essayer d'arriver directement ici. D'accord?
vous quittez la plateforme et vous sautez et vous arrivez là directement. D'accord ? Toujours en appuyant sur accélération pour prendre de la vitesse. Voilà. Hop, vous pouvez faire un petit ledge grab. Donc un ledge grab, qu'est-ce que c'est ? C'est rapidement. C'est en gros, vous allez appuyer sur une des touches d'angle pour en gros que Samus attrape le coin. Pour vous expliquer rapidement comment ça marche. Est-ce que je peux montrer ? Ouais, je peux montrer la hitbox. Ouais. Le petit rectangle bleu que vous voyez là, c'est la hitbox de Samus. Donc vous voyez, elle a différents états, hein. Différentes tailles. Et en gros, quand elle saute en faisant la boule, en faisant des roulades là, sa hitbox est petite. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser ça et le fait que quand on saute en appuyant sur une des touches de L ou R, en gros, elle va attraper, elle va littéralement snapper, en fait, tac, elle va monter et elle va attraper plus vite le rebord au lieu de flotter. C'est un peu avancé comme technique. D'accord. Je le fais pas bien. Personnellement, c'est pas avec moi que vous verrez ces trucs-là de manière précise. C'est pas quelque chose que je fais très bien. C'est très impressionnant quand les meilleurs runners sont capables de le faire, d'enchaîner ces trucs-là. C'est très impressionnant, ça va très vite. Pour le coup, c'est pas quelque chose qui est essentiel pour faire, pour passer sous une heure. Mais c'est bien de le mettre en place directement dans votre jeu. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sauter. Oups, c'est là si vous arrivez. Vous allez sauter, attraper. Essayez tout de suite de redescendre. Et en gros, l'idéal, c'est de retomber sur cette plateforme, directement. L'idéal, c'est de retomber là-dessus. Donc pour ça, il y a une méthode. Hein, c'est... Hop, tout de suite. Mais là, j'arrive pas à le faire. C'est pas quelque chose sur lequel j'arrive à faire régulièrement. Mais voilà, l'idéal, c'est de trouver le rythme pour arriver directement sur cette plateforme. C'est pas obligatoire. D'accord ? Vous arrivez là, c'est pas grave. Vous prenez la Morph Ball. Vous descendez, vous cassez ici. Hop, vous sautez pas trop pour attraper ça. Vous pouvez arm pumper, tirer vers le haut. Et vous lancez comme ça. Vous pouvez... donc. Voilà. Hop. Ici, vous voyez comment je fais, c'est déjà un petit peu de gain de temps, c'est... hop, on arm pump, on tire, hop, on saute pas trop pour passer, on arrive. Ici, vous, très vite, vous faites ça, vous vous mettez en boule. Hop, vous allez chercher les missiles. Vous revenez. Vous mettez en boule, vous repassez. Ici, comment vous sortez ? Donc, vous vous mettez ici, à peu près, là, ou entre les deux, là, ici. Vous tirez vers le haut. D'accord ? Donc, je vais me remettre... Est-ce que après, spécial, ok. Attraper les missiles. Regardez ici. Vous mettez là, vous tirez vers le haut, et tout de suite, vous sautez et vous vous mettez en boule. D'accord ? Tout de suite comme ça. Et vous venez vous glisser là. On commence. C'est pas très compliqué, faut s'y faire. Vous sortez, vous faites la même chose dans l'autre sens. Arm pump. Vous remontez. Là maintenant, on va aller taper le pit dans l'autre sens. Donc la fosse dans l'autre sens. Ce coup-ci, il y a les ennemis dedans. Vous maintenez ici, vous maintenez le bouton. Pour tirer. Comme ça, dès que vous sortez de la salle, vous tirez déjà celui-là. D'accord ? Non, c'était ce que j'avais sauvegardé. Et en fait, vous tout de suite, vous maintenez le bouton. Et dès que vous passez à la salle, vous appuyez vers le haut. Donc, j'appuie sur le bouton de tir et j'appuie vers le haut. Comme ça, j'ai déjà buté les deux. Hop. Et là, c'est pareil. Là, vous passez la salle le plus vite possible, comme vous pouvez. Il y a des méthodes de malade avec du D-boost, etc. Je vais pas m'attarder là-dessus, ça sert à rien.
parce que c'est très compliqué et ça dépasse largement ce que je veux faire ici. Voilà, vous allez le plus vite possible comme vous pouvez un petit peu. Donc, je récapitule. Tout de suite, vous tirez, vous maintenez le bouton pour tirer le premier. Hop, tout de suite, vous prenez celui du haut. Hop, et vous sautez. Comme ça, vous essayez de pas tomber dans, dans les fosses là. Hop, voilà. Je sais pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Voilà. Vous avez ouvert la porte. Donc, the climb, la montée. Tout simplement, pour commencer, vous pouvez faire ça. Vous mettez là, et vous tuez les ennemis au fur et à mesure. Hop, vous montez comme ça. Hop. C'est pas le plus rapide, mais c'est un bon moyen d'apprendre à se déplacer, d'apprendre à sauter, comment les sauts fonctionnent, comment on maîtrise les sauts. Voilà. Ici. Et une fois que vous arrivez ici, simplement ce que vous faites, c'est que vous vous abaissez, parce que pour une raison bizarre, quand on s'abaisse, on saute plus haut. Là, je passe pas. Là, je passe pas. Je m'abaisse, je saute, je passe. D'accord ? Vous tirez vers le haut, vous rentrez. D'accord ? Donc je récapitule. Vous mettez là en dessous, hop, vous sautez là et vous tuez à chaque fois les ennemis au fur et à mesure. Hop, 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 hop. Voilà, on s'abaisse, on saute et on passe. 24 secondes. Alors. Ouais, en effet, j'ai le truc, no mic, merci Flo de m'avoir remonté le truc, mais alors que j'ai un mic normalement. J'ai un message pour me dire, ah, c'est normal que t'as pas de mic. On m'entend par contre, hein, je suppose qu'on m'entend, j'ai l'impression qu'on m'entend. Ouais, c'est bon, je vois le volume de mon micro qui fonctionne, donc c'est bon. Ok. Moi, personnellement, je passe comme ça. Je saute... Non, c'est pas comme ça que je fais. Dès que je rentre dans la salle, je saute. Wall jump, wall jump. Bah, ce sera le moment de montrer les wall jump. Je wall jump cette plateforme-là. Et je fais exactement la même chose qu'avant. C'est-à-dire qu'en gros, je récupère. Hop, hop. Hop, voilà. En gros, voilà ce que je fais. Ça va un petit peu plus vite. Oups, j'ai raté. Hop, c'est parce que j'étais en train de penser à autre chose. Deux, hop, voilà. Personnellement, c'est ce que je fais, ça va un petit peu plus vite. Tout à l'heure, je suis monté en 24 secondes. Là, je devrais approcher les 22 secondes. Si tout va bien, si je fais pas trop le... Voilà. Voilà, 22 secondes. Ça fait gagner un petit peu de temps. Vous verrez les meilleurs faire, enfin au bout d'un moment les plus avancés, ils vont faire ça, ils vont faire. Ils vont sauter ici, ils vont walljumper. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, ah j'ai raté le timing, 2, 3, 4, 5, 6, vers le haut. 1, 2, c'est vraiment un timing, je sais pas le faire. J'essaie d'apprendre à le faire, donc je vais pas vous expliquer comment ça marche. Mais en gros, vous les verrez monter comme ça. Ce sera pour un autre tutoriel de quelqu'un d'autre qui est plus doué que moi. Voilà. En gros, donc voilà. Encore une fois, moi ce que je fais, c'est je saute. Hop, 2, 3, hop, hop.
Alors c'est bien d'arriver avec 99 en énergie. D'arriver max pour éviter des problèmes avec le boss suivant. Donc n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour attraper de l'énergie si vous en avez besoin. Parce que vous en aurez besoin pour le boss pour Bomb Torizza. Ici, tout simplement, vous montez le plus vite possible. Moi, je prends ce chemin-là. Hop, hop, vous pensez. Moi, je fais comme ça. Ici, wall jump. Voilà comment j'arrive en haut. Là, c'est pareil. Là, il faut juste pratiquer. Hein. Il n'y a pas de... c'est bombs. Et donc, ça va être par là. Donc voilà, je récapitule, je monte. Ensuite, je passe par là, je monte là, je monte là. Hop, 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 wall jump. Voilà. Je sais, j'ai pas expliqué les wall jump. Comme je suis un as, j'ai pas expliqué les wall jump. Comment on fait un wall jump? Voilà. Tout simplement, donc je crois qu'il n'y aura pas d'ennemis dans cette salle. Voilà, il n'y aura pas d'ennemis dans cette salle. Là, c'est un très bon endroit pour montrer. Je descends tout en bas. Ici, c'est très bien. Je vais tout en bas. Comment on fait un wall jump? Tout simplement, on saute en se mettant en boule, d'accord, en roulade, comme ça, d'accord. Et vous, si vous appuyez dans la direction opposée du mur, vous la voyez, Samus se met dans une espèce de position où elle... c'est comme si elle prenait appui sur le mur, d'accord. Et au moment où elle se met dans cette position, vous appuyez sur le saut. Donc il y a une petite subtilité, attention, c'est quelque chose au début, moi, que j'ai eu du mal à maîtriser. C'est d'abord la direction, ensuite le saut. Vous voyez? En haut, dans mes inputs, tout en haut, là ou sur là. Vous voyez, j'appuie brièvement, d'abord, j'appuie sur la direction. D'accord? Dans l'autre sens. Direction, saut. Direction, saut. Direction, saut. Direction, saut. Direction, saut. Direction, saut. D'accord? C'est encore quelque chose que je maîtrise pas parfaitement. Voilà. Comme ça qu'on fait un wall jump, tout simplement. Donc on remonte, hop, ici. On saute. Hop. Tac. Tac. Hop. 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 Oups, j'ai raté le truc, on arrive ici. Ici, on va vite, on se met en boule, on descend, et on essaye d'arriver ici, en fait, comme ça, de descendre d'une traite. Je vais sauvegarder en haut, je vais faire une montée, je vais sauvegarder en haut. Hop, hop. On se dépêche, on passe et on essaie de passer ici. Voilà, comme ça. D'accord? Quand vous tombez ici, vous pouvez déjà commencer à tirer pour que la porte elle s'ouvre et vous passez. Vous tirez les missiles. Alors, ici. Premier tutoriel un peu. Première chose que vous allez faire, c'est en gros vous placer un cas précis. Ce cas, je vais essayer de vous le remontrer. Catégorie plus 7 bombes. Montorizon. Vous passez la porte. Donc avant de prendre la bombe, je vais essayer de vous montrer comment vous placer. Donc en fait, il faut se placer, en utilisant le moonwalk, il faut se placer de manière à ce que votre pied, d'accord, vous voyez, quand vous êtes en position de viser vers, en diagonale, bah quand vous êtes en diagonale, vous montrez les petits points qui se trouvent derrière Samus, là, derrière son dos, sa partie rouge, là, vous les voyez, et quand vous êtes en position normale, vous les voyez plus derrière. D'accord? En gros, c'est le pied qui s'aligne avec les pixels aussi de la ligne noire là, verticale.
Voilà deux remarques qu'on peut faire. C'est là qu'il faut s'aligner. Comment? Une fois que vous avez les bombes, c'est là qu'il faut se mettre. Donc je vais prendre les bombes. Tout de suite, wall jump, welcome, moonwalk tranquillement pour ajuster, pour me mettre en position. Je suis pas bien. Là, je suis bien. Vous vous mettez en boule. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sauter. D'accord? Il va sauter comme ça. Il se remet en arrière et se met contre le mur. Oups. Je vais remettre une charge. Recharger un safe state correct. Ça ne va pas tout à faire. Donc je me remets en position. Je ne vais pas trouver. Là c'est bon. En boule. Vous allez sauter et essayer de lui mettre 5 tirs. 1, 2, 3, 4, 5. Prenez les missiles. 1, 2, 3, 4, 5. Missile 1, 2, 3, j'ai raté, 4, 5, on recommence. Pour vous montrer un bon exemple. Je vais essayer de vous montrer un bon exemple. Au moins un. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. 1, 2, 3, voilà. Il n'y avait même besoin qu'un 1, 2, normalement. Donc en fait, il a 800 d'énergie, tout simplement. Ça, c'est un bon combat. Vous voyez, il a 800, c'est ce que me dit le compteur tout en haut. Je vous montre sur l'écran alors que vous ne voyez rien. En haut à droite, en haut à gauche, vous avez un compteur avec 800. C'est l'énergie du boss. Donc en fait, vous allez faire 5 tirs standards qui vont lui retirer 20 à chaque fois pour le faire descendre à 700. Après, vous allez lancer des missiles. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, j'ai raté. 1, 2, 3. Voilà. Bon, c'est pas trop mal. Voilà, en gros, globalement, comment il doit se passer, ce combat. Pour la base. Donc, on se place correctement. On lui lance 5 tirs. On se place correctement, on se met en boule. Il nous passe au-dessus, il saute. On essaye 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça c'était un combat presque parfait. Si vous arrivez à pas prendre tous les missiles et en garder pour une deuxième partie, c'est super. Voilà, en gros, pour ici, vous passez à la toute vitesse. Alors ici, c'est ce qu'on appelle Alcatraz. Je ne vais pas vous montrer Alcatraz, celle que vous le voyez souvent, sans doute dans les speedruns où les mecs ils font ça, comme ça ils passent là. Bon, je suis pas très très fort à ça, hein, mais j'arrive à le passer régulièrement. Je vais essayer de vous le montrer. Je vais pas y arriver, évidemment, je suis en mode démo, donc c'est hors de question que ça marche, voilà. Ils font comme ça, hein, c'est super swag. C'est chouette, c'est joli. Seulement, c'est pas si facile que ça. Hein. Ça fait gagner une petite dizaine de secondes. Mais le risque de se viander est assez élevé. Et tant que vous maîtrisez pas complètement ce trick, je vous conseille de pas le faire en run. Hein. Moi, mes PB, ils en ont pas. Si j'en ai un avec... Je crois que j'en ai un. Mais sinon, c'est vraiment pas essentiel. C'est quelque chose... J'étais déjà bien en dessous de l'heure avant de commencer à implémenter Alcatraz. Donc, comment... On fait ici... Donc, Alcatraz. Vous essayez de battre l'ennemi ici. Hop. Pour pas prendre un contact ici, pour pas vous faire toucher. Oups, j'ai chargé le mauvais. Hop, donc on court. On saute tout de suite pour essayer de pas prendre le contact, mais j'y arrive pas là, bizarrement. C'est pas quelque chose qui me pose problème. Voilà, pour passer devant, tout de suite vous passez ici, hop, vous posez une bombe. Vous reposez une bombe. Vous posez une bombe. Hop. Et vous passez. D'accord ? Vous fichez pas mal de prendre du dégât ici. Voilà.
recommence. Donc en gros, il faut sauter à peu près à cet endroit-là. D'accord, à peu près ici, là, quand vous êtes à peu près là, vous pouvez commencer à sauter pour arriver ici. Et vous sautez immédiatement dans l'autre sens pour pas vous faire toucher. Un petit truc intéressant que je vais essayer de montrer là, c'est qu'en gros, si vous tirez à un bon moment, vous allez pas être projeté en l'air. Vous voyez ? Si vous tirez au moment où la plateforme, enfin le petite bombe là accélère, vous voyez, il y a dans l'animation de la bombe, il y a un moment donné où elle accélère, le clignotement accélère. Si vous tirez à ce moment-là, vous n'allez pas sauter. D'accord ? Dans ces moments-là, vous n'allez pas sauter. Ça fait gagner un peu de temps. Voilà. Comme ça, vous n'êtes pas projeté en l'air et vous n'avez pas à redescendre et à prendre le rebond, etc. Vous n'êtes pas obligé de... Voilà. Vous passez. Ici, c'est la salle qu'on appelle Terminator. Vous allez vite. Vous pouvez tirer ici pour en toucher un. Fichez pas mal de prendre le dégât. Le plus important, c'est de pas faire ce que je vais faire, c'est d'avoir la porte ouverte ici. Donc c'est ce qu'on appelle la section Terminator. Hop. On ouvre la porte, on y va. Donc, 1, 2 si vous avez, 3 si vous avez, et si vous tirez. Le but c'est d'avoir ouvert la porte pour prendre l'énergie et continuer. Il n'y a vraiment rien de spécial ici. Assurez-vous d'avoir 5 missiles, vous passez cette salle-là en prenant des dégâts, vous vous souciez pas du tout de ce qui se passe. Vous tankez, vous passez, vous profitez des... Mushroom. Vous sautez au-dessus en essayant de pas sauter trop. Donc je vais... Pareil, je vais catégorie reset. Bombe, mushrooms, hop. Ici, vous essayez de pas sauter... Vous sautez à partir d'ici, là, en essayant de pas retomber dessus. Donc, hop, c'est pas grave, j'ai pris les dégâts, hop, je saute, j'ai raté, on recommence. Évidemment, hop, on saute, pas trop, et on saute, et on essaye de pas taper celui-là. Donc en gros, vous sautez à peu près à partir de là, voilà. Vous tirez de manière à ce que la porte soit ouverte quand vous passez la porte. Ici, vous descendez. Alors, petit truc que j'ai pas expliqué sur les ascenseurs. C'est peut-être quelque chose que j'aurais dû faire au début. C'est en gros quand vous vous mettez devant et vous bloquez comme ça, avec, en appuyant sur une des touches là-dedans. Vous arrivez, vous bloquez, vous pouvez appuyer tout de suite vers le bas et elle va descendre. L'ascenseur. En fait, à mon avis, ça positionne Samus correctement pour descendre directement l'ascenseur. Ici. Alors, va arriver le premier trix vraiment important, un peu difficile, mais qui va vraiment casser le jeu, qui va vous permettre de sequence breaker. C'est ce qu'on appelle early super missiles, donc attraper les super missiles plus tôt. Et ça nécessite de connaître une technique qui s'appelle le mockball. Comment on fait un mockball? Je vais essayer de vous expliquer ça. Donc la première chose que vous faites, c'est vous pétez la porte ici, d'accord? Je vais sauvegarder ici. Vous allez courir. Et juste avant de passer la porte, vous allez sauter. D'accord? De manière à arriver comme ça. D'accord? Je recharge. Au moment où vous êtes en l'air, vous allez appuyer vers le bas. Et juste au moment d'appuyer sur le sol, où vous allez arriver sur le sol, vous allez faire un espèce d'adoken. Vous voyez, dans Street Fighter, quand vous faites un adoken, c'est-à-dire vous faites... Faites comme ça, j'essaie de le montrer là, hop, vous arrivez, faites vers le bas, et au moment où vous touchez le sol, vous faites ce geste là. Je vais essayer de le refaire convenablement, donc on passe, on saute. Moi j'appuie vers le bas. Hop, adoken. Tout simplement, j'espère qu'on voit bien ce que j'essaie de faire. On saute juste avant la porte. On appuie vers le bas, adoken. Voilà. Qu'est-ce qui se passe sinon? En fait ici, hein... Vous savez peut-être, j'espère que vous le savez, c'est en fait ici on va pas assez vite pour passer ces portes là. D'accord? C'est pour ça qu'on doit utiliser ça. Qu'est-ce qui se passe dans le mockball en fait? À première vue, ça conserve une certaine vitesse, ça va même un peu plus vite que quand vous courez.
Et donc ça permet de passer en dessous, et en plus le fait que vous ayez un petit sprite, vous passez en dessous des portes. Et donc vous pouvez arriver. Au début, si vous voulez commencer à faire des runs dans lesquels vous voulez être un peu plus confortable au niveau des missiles et de l'énergie, vous pouvez en gros aller récupérer un super missile ici. Revenir là, ouvrir ça, aller chercher la réserve ici, et il y a des missiles là, ici, d'accord, ici et là. C'est pas une perte de temps, c'est une perte de temps d'aller les chercher, hein. C'est pas essentiel, surtout les super missiles, c'est pas du tout essentiel, les missiles pardon, c'est pas essentiel de les prendre. Si vous voulez être un peu plus confortable au niveau de l'énergie au début, ça peut être une bonne idée d'aller chercher le Reserve Tank. Mais on peut tout à fait faire ça, d'accord? Donc je reprends la salle. Hop, j'ai sauté trop tôt là, donc je vais banquer, je vais redescendre. Hop là. Donc c'est vraiment juste avant la transition. Hop. Ici, moi, ce que je fais, c'est que je fais deux wall jumps pour essayer d'arriver ici. Je prends des dégâts. J'arrive. Super missile, je descends. Je tire en redescendant. Hop, et je fais un petit saut pour arriver tout de suite sur la plateforme. Ici, je saute. Non. Pas comme ça. Donc, en gros, j'arrive. Je saute. Je charge tout de suite un super missile. D'accord. Est-ce qu'il y a un poste... Non, bon, je vais le refaire d'ici. Hop, je saute, j'ai raté le saut. J'ai raté le saut. C'est bon, je l'ai eu. Oh, j'ai raté. Hop, pas de quel. Oula, je me suis. C'est pas grave. De la porte. Ici, tout simplement, on saute et pendant qu'on descend, on charge ses missiles. Dès qu'on arrive en bas, on tire. On va là directement. Donc, pour tout de suite. Vous pouvez passer la salle comme ça, en haut, sans trop vous soucier de prendre des dégâts, d'arriver là, vous péter. Ici, tout ça. D'accord. Et vous continuez. Vous pouvez faire une mock ball ici qui est intéressante et qui fait gagner du temps. Arriver en bas de la piste là, ici, là. Ici. Je vais faire une sauvegarde. Je vais sauvegarder ici. Voilà. Donc une fois arrivé en bas de cette petite pente là, ici, vous sautez, d'accord? Et vous devriez en fait passer au-dessus. Entre les deux, là, vous voyez? Vous allez passer entre les deux. Donc c'est un peu avancé, c'est pas du tout essentiel. Ça, c'est vraiment un truc. C'est juste que c'est facile à mettre en place. Donc c'est pour ça que je passe un peu de temps dessus, d'accord? Et en gros, vous allez faire une mock ball. Vous allez passer entre les deux. Vers le bas, mock ball. Hadoken, d'accord? Ça va plus vite que de prendre... Donc vous passez ici. Ici vous pouvez faire une mock ball si vous y arrivez. Moi j'y arrive pas. Enfin, c'est pas du tout essentiel. Ici vous retombez. Donc vous essayez de pas. Vous essayez de pas prendre les plateformes. Hein. Donc vous pouvez faire hop, faire ça comme ça. Première plateforme ici. Bon, du coup j'ai pris. Alors ici. Ici. Vous allez courir et en gros essayer de sauter le plus tard possible. D'accord? De manière à pouvoir hop, venir vous glisser entre les plateformes ici. Tout simplement. Donc faut sauter vraiment le plus tard possible et essayer de hop, pour arriver prendre les missiles ici.
vous mettez en boule, vous venez taper ici et on va prendre le charge. Le charge. Vous sortez de la salle, donc moi je sors en faisant des wall jumps. Vous mettez en boule. Et ici, ce que vous pouvez faire, c'est hop, sauter, vous mettre en boule en l'air. Donc, hop, mettre en boule en l'air. Et vous allez passer directement comme ça. Il y a des méthodes plus rapides. Moi, c'est comme ça que je fais, c'est largement suffisant. Quand vous êtes en boule ici, vous allez sélectionner les super missiles, tirer et courir. D'accord ? Une fois que vous passez cette porte, tout de suite vous sautez. Ok ? Pour arriver comme ça. Trade. On a Green Hill. Voilà, c'est ça. Tout de suite vous sautez. Si par hasard vous ratez le saut, vous tirez une fois en bas là pour pas vous prendre l'ennemi là. D'accord ? Hop, hop, j'ai raté. Vous tirez quand vous arrivez au bout de la plateforme, ici vous tirez. D'accord ? Pour éviter de vous prendre un dégât. Donc je vais essayer de le faire convenablement. Vous sautez dès que vous sortez de la porte. Si vous pouvez faire un mockball, si vous arrivez à le faire, continuez à descendre. Une fois arrivé, vous chargez. Mais sinon, vous vous souciez pas de faire un mockball. Si vous y arrivez, tant mieux. Oups, j'ai raté le saut. J'ai raté le saut encore une fois, j'ai sauté trop tôt. Hop, vous chargez un tir. Et là, vous allez, hop, un ennemi. Vous chargez, deux ennemis. Ici, il y a un truc rigolo qui peut se passer. C'est qu'en gros, si vous chargez un tir et que vous le passez, il peut passer, en gros, plus ou moins au travers de la plateforme et ouvrir la porte. D'accord ? Pendant qu'elle ouvre la porte, vous pouvez commencer à charger déjà. Vous tuez l'ennemi de l'autre côté. Et vous courez. Et vous tirez en courant. Pour ouvrir la porte. Et une fois que vous arrivez à ce niveau-là, vous sautez. Et vous rechargez un tir. Donc je récapitule. Dès que vous sortez de la porte, vous sautez si vous y arrivez. Vous ratez, c'est pas grave, vous courez. On charge. Ennemi. Ennemi, on charge. On passe au travers si on arrive. Continue. Non, j'ai pas besoin de le faire ça. On passe. On charge. On charge. On charge. Plateforme, on charge. Ennemi, on court et on tire. On saute, on charge. Pour pouvoir accueillir l'ennemi tout de suite derrière, comme ça. D'accord ? Alors, je vais pouvoir vous montrer quelque chose de rigolo, enfin un truc. Un petit truc à savoir, je vais le tuer lui pour pas qu'il vienne me casser les pieds. Lui aussi. C'est des petits trucs, mais. Voilà le niveau. Vous voyez, quand je tire. Mon tir, il arrive à peu près au niveau de cette plateforme. D'accord ? Il arrive au niveau, pile poil au niveau, juste en dessous de la porte. Bizarrement, quand je cours, le tir, il va un peu plus haut. Regardez. Il va un tout petit peu plus haut. Et en gros, c'est ce qui fait que dans la salle précédente, on peut ouvrir la porte en chargeant. Donc je recommence. Hop. J'ai dû sauter avant, c'est pas grave. C'est une connerie, c'est pas grave, on va faire. Hop. J'ai fait une bêtise. Hop, alternative. Hop, je tire. Je tire, je charge. J'ai raté. J'ouvre la porte, je charge. Et surtout, j'essaie de passer la porte avec un tir chargé. On passe, on arm pump, on charge. On essaie de l'avoir, lui, là-bas. Si vous tirez, si vous passez comme ça, pleine vitesse, vous allez peut-être réussir à l'avoir. Est-ce que il y a un preset pour cette salle là? Bah, je suppose que pour le new bridge il doit y en avoir un. Bathroom, green hill. Ouais. Ok. Bon, c'est pas grave. On passe. Ici vous pouvez poser une bombe là et descendre. Normalement, ça va plus vite. Vous pouvez aussi faire ça comme ça. Hop, passer là comme ça, si j'y arrive. Faire comme ça, on recommence. Voilà, comme ça.
faut sauter, on tire vers le bas pour essayer de taper cette plateforme là. Vous voyez donc là, ce que je voulais expliquer tout à l'heure. Là je peux pas, par contre si je cours ou que je tire, la porte elle s'ouvre. Donc ici, hop. Comme ça on peut taper directement déjà, tirer vers le bas et faire un trou dans la plateforme. Ici on se laisse descendre, tout simplement. Et on se met au niveau de la barre noire, on ne se fera pas toucher. Une fois qu'on est en bas, on tire. Et on se prépare pour accélérer. Et c'est pareil, on va sauter juste avant la porte. D'accord ? On va sauter juste avant la porte. Donc on récapitule la salle d'avant. Hop. Bon. On descend, on se remet en position, on tire vers le bas, on peut sauter ici pour essayer de passer au travers. Hop, et on saute. Ici, donc là, il y a une technique avec du D-boost, on va pas en arriver jusque là, ça sert à rien. Ce que vous faites, c'est une fois que vous êtes là, bah, vous tirez les deux, vous passez au-dessus, vous arrivez ici, et en fait... vous allez tout de suite pointer vers le haut, okay, pour tirer et casser ce bloc-là, d'accord? Ok, moi ce que je fais c'est, je tire vers le haut et je pars dans l'autre direction, donc, et je pointe vers la gauche, vers le haut à gauche et je tire. Comme ça j'ai cassé le truc. Ensuite on voit le jump, donc là c'était une catastrophe, c'était nul. D'accord. Wall jump, hop hop, on arrive là. On se met en boule. On fait ce que je vous expliquais tout à l'heure, on essaye de pas sauter. D'accord. On casse la brique, on passe, on charge les super missiles, on tire, on décharge les super missiles, on passe, on prend Spacer. On sort. Ici on saute, hop, et on essaie d'arriver directement sur la plateforme. Ok, donc je vais... set spacer. Donc je prends spacer. On saute, on ouvre la porte, on arrive là. Et on saute en essayant du coup d'arriver sur cette plateforme là. D'accord, bon. Je vais y arriver. Bon, j'avais pas pris assez de vitesse. Hop. Tac. Bah dis donc, j'y arrive pas aujourd'hui. Voilà. Une fois que vous arrivez, tout de suite vous tirez. Pour casser le bloc, vous mettez en boule. Vous faites un trou là. Une fois que vous êtes ici... Je vais refaire un... Bah non. Hop, c'est de refaire le truc. Hop. Une fois que vous êtes ici, donc je sauvegarde, donc vous cassez le bloc. Vous allez mettre la bombe, et en fait, dès que vous tombez, vous vous remettez en hauteur, en grand, et vous chargez un tir de manière à pouvoir arriver et sur la plateforme debout, d'accord? Arriver sur cette plateforme-là, debout. Plateforme celle-ci, arriver debout, d'accord? Et tirer sur le cacatac qui se trouve ici, d'accord? Donc, boule, je tire, je remets debout, je charge, je tire pour essayer d'avoir le cacata. Hop. Ici, arrivez ici, vous tirez, et vous prenez l'élan, comme ça, ça va ouvrir la porte, et vous sautez au-dessus de ce truc immonde, là. Et comme ça, quand vous allez passer la porte, elle sera déjà ouverte. D'accord? Vous entendez, là, la porte, elle s'est ouverte. Et vous pouvez donc... Hop. Vous pouvez recharger un tir avant de passer la porte, lâcher pendant la transition. Donc ça c'est... je vais peut-être l'expliquer parce que c'est plutôt bien, c'est sympa. C'est facile à faire et c'est assez satisfaisant à passer. Voilà, donc en fait on arrive là. Non, c'est là que je vais arriver. Je sais pas, en fait c'est pas... C'est pas le top, mais bon, c'est pas. Okay.
Vous passez, vous chargez un tir en appuyant sur le bouton d'accélération. Vous lâchez l'accélération. Tout de suite, vous pouvez y arriver. Enfin, vous passez la porte. Vous chargez un tir. Vous lâchez pendant la transition. Et comme ça, vous n'êtes pas arrêté. D'accord ? Je vous fais la démo. Comme ça, j'ai pas été arrêté. Je charge le tir. Je continue de sprinter. Je lâche le tir. Je suis pas arrêté. J'en profite pour charger les supermissiles. D'accord ? Voilà. Vous arrivez ici sans avoir été bloqué, c'est bien, c'est swag, ça fait gagner quelques secondes. Ici, vous venez vous positionner, donc toujours en courant. Pétez la celle du bas. Et ici, il y a deux méthodes. Donc moi, j'essaye toujours une première fois de passer ici. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de passer ici. Normalement, le jeu, il voudrait que vous ayez le wall jump ici pour pouvoir passer ici. Seulement, on peut aller passer directement. Moi, donc en fait, j'arrive. Et ce que je fais, c'est immédiatement... Ce que je fais, c'est... Je prends l'élan et j'essaie de sauter ici. D'accord ? Si j'y arrive, mais dis donc. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Swag. Voilà, ici. Prendre appui là. Pour arriver directement là. La première tentative, c'est ce que j'essaie de faire. Si j'y arrive pas, évidemment, il y a toujours ici. Vous pouvez le faire ici. Wall jump dans, et contre la petite plateforme. Et vous arrivez ici. D'accord ? Ici, vous courez, vous tirez pour ouvrir la porte, vous faites un petit saut, vous arrivez de l'autre côté, vous tirez immédiatement vers le bas, et vous tirez sur ce petit truc-là pour pas prendre trop de dégâts, mais ça ira, c'est pas grave. Hop, vous tapez ici. Vous sautez. Vous courez, dégâts, tirez vers le bas, et vous passez là, comme ça. D'accord ? Parce que... On va le refaire ça. Donc. Super missile, je tire. Hop, ici j'essaie de charger le truc. Photo. Je suis passé. Hop. Oups, c'est là, je devrais passer la porte. Hop. Voilà. Je vais expliquer un truc aussi sur le quand on tombe, ce sera utile pour après. Quand on morphe, quand on met en morph ball, on se met en morph ball dans les airs. Quand vous faites ça, vous voyez, Samus elle a un rebond, elle rebondit. D'accord ? Ce rebond, on peut l'éviter en fait en morphant à la dernière seconde. D'accord ? Vraiment en morphant au moment où vous touchez le sol. Ça fait gagner un peu de temps par rapport à ça. D'accord ? Et c'est aussi en partie grâce à ça que la Mock Ball fonctionne. Donc c'est le même mécanisme que la Mock Ball. Hein. Pareil. D'accord ? Donc on passe. Hop. On passe. Oups, j'ai raté le... Voilà. Passer là, donc ici du coup vous pouvez le faire ça, ici, pour éviter de prendre des dégâts, vous voulez des dégâts de rebond, pardon. Hop, ici, vous arrivez ici, vous ouvrez la porte, et au moment où vous courez, vous chargez déjà vos missiles. Et en fait vous allez en tirer 3, il y a 3 ennemis à la suite, je fais la démo, rapidos. 3 ennemis. Je fais encore une dizaine de minutes bah jusqu'à Kraid. Et puis, puis j'arrête. 3 ennemis. Donc je vais faire à peu près comment on fait. Donc je charge, je cours, je charge mes missiles. 1, 2, 3. Charge le super missile. Au moment où on voit apparaître, hop, on peut tirer un super missile. Et on va récupérer... Les super missiles de Baby Kraid qui va toujours dropper en fait, il va toujours plus ou moins dropper la même chose,
il va toujours dropper plein de super missiles. C'est bien pratique. Donc, on court, on charge les super missiles. Et on charge les missiles. 1, 2, 3. On charge les super missiles. On tire quand il a... Je l'ai fait trop tôt. C'est au moment où on voit apparaître à peu près, un peu après qu'on voit apparaître ces petits projectiles. 3. Voyez, hop, voilà. Et en fait, on peut continuer dans la foulée, en fait, décharger les missiles, prendre les... Hop, et tout de suite enchaîner là-dessus. D'accord? Ça permet d'être relativement fluide. Donc on peut faire ça. Donc, je vais essayer de le faire, hein. C'est pas forcément quelque chose que je peux faire. 2, 3. Voilà. Ici, vous allez sauter, charger, et au moment où vous redescendez, vous tuez l'œil, d'accord, avec un super missile. Il y a des méthodes de D-boost, etc., en fait, où vous pouvez le faire, en fait, ça, j'expliquerai sur le retour, pour le principe, mais en gros, vous pouvez faire ce qu'on appelle un D-boost. Pour le coup, c'est pas essentiel. C'est un peu plus avancé, et c'est pas du tout essentiel pour descendre sous l'heure. Je vous montrerai au retour. Quand on sortira de la salle, si j'ai le temps. Non, je le ferai la prochaine fois. Alors là, je vais sauvegarder. Hop. Alors, Crate. Ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle le Crate Quick Kill. Je vais essayer de vous le montrer. Ça va permettre de tuer extrêmement rapidement Crate. Sachez que vous n'avez pas besoin du tout de ça pour passer sous l'heure. Seulement, c'est une technique qui est relativement facile. Y a deux méthodes pour le faire. Il y en a une qui est un peu plus facile, à mon avis, que l'autre. Et je vais vous montrer celle que je fais, moi, qui est, à mon avis, la plus facile, même si elle est un petit peu plus lente. Bah voilà, je vais essayer de vous la montrer. Et éventuellement, des stratégies si ça marche pas. Donc, vous allez passer la porte. D'accord. Et pour être passé de manière optimale, vous allez vous mettre en boule, poser une bombe. Hop, oups, j'ai raté, bon c'est pas grave, je vais essayer de montrer ça, vous remettre en boule. J'essaie de remonter ça après. La main remonte, on charge. Raté, vous voyez, donc là j'ai raté, je vais essayer de le refaire après. J'ai déjà mis deux dégâts, hop, vous montez tout de suite. Vous montez. C'est pas terrible ça comme quoi. J'ai plus l'habitude. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Donc en fait, il faut 4, normalement, il faut 4 missiles, si je dis pas de bêtises. 4 super missiles et un missile, ça suffit. Je vais essayer de vous le montrer. Donc là, vous vous mettez en boule pour ralentir le... pour limiter le lag. Et au moment... Donc là, il monte sa main. Et au moment où il remonte sa deuxième main, là, vous vous remettez en position et vous commencez à charger. Ça va le stunner, d'accord. Bon, je recommence. Comme par hasard, je vais rien réussir parce que je suis en mode démo. D'accord. Donc ça, en fait, tout ce qu'on fait, c'est pour se mettre en position idéale. En boule. On remonte, on se met de l'autre côté, on se remet en boule. D'accord. Et il va venir nous positionner là. Il remonte la main, on commence à charger. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Donc en fait, Crade, il a trois... Quand il ouvre sa bouche, il a trois positions. Il y en a une où il est à moitié fermé, enfin un peu fermé, une à moitié ouverte, et une complètement ouverte. Il faut tirer les super missiles quand sa bouche elle est à moitié ouverte. Dans la deuxième partie de sa phase d'animation de sa bouche. Si c'est avant, c'est trop tôt. Si c'est trop grand, c'est trop tard. C'est vraiment à cet endroit-là. C'est un timing à trouver. Pourquoi est-ce qu'on charge un tir quand sa main remonte et quand sa main redescend, on lui balance dans la tête? C'est parce que, pour une raison ou une autre, ça le stun. Ça stun sa main qui ne reviendra pas venir nous bloquer nos tirs. D'accord? Je vais essayer de le refaire.
Donc la première montée de sa main, on bouge pas, la voilà. On se remet en haut. Il monte la deuxième main, on commence à charger un tir. On est chargé, on lui met dans la tête. 2, 3, 4. Voilà. Il n'y a rien de, y a rien de magique, y a rien de... C'est vraiment pas si difficile que ça. Je trouve cette méthode plus facile que la... Je trouve cette méthode plus facile que la deuxième méthode. Qui est... qui nécessite un peu plus de timing, même si elle est moins chère en ressources. On peut le faire avec 3 super missiles. Je sais pas bien la faire, donc je vais pas la montrer. Hop, on charge. Dans la tête. 2, 3, 4, voilà. Et ensuite, on va chercher. Donc, sachant que ça charge pas, vous voyez, regardez, on voit la hitbox. En fait, ça charge pas l'autre partie de la salle. C'est-à-dire, enfin, ça charge pas les, graphiquement la partie de la salle, mais elle est chargée quand même. D'accord, elle est la partie graphique est pas chargée, mais le. Là, je suis coincé. D'accord, parce que le jeu s'attend à ce que. Ici, il y a une plateforme en fait. D'accord, donc on saute, on ouvre la porte. Ça, faut le faire, ça se fait à vide, faut savoir le faire. On prend la barrière. Voilà. Alors, je pense que je vais arrêter là. Parce que, voilà, mine de rien, ça commence à faire un peu de temps, ça fait déjà 1h15. J'espère que vous avez appris des trucs. Je suis pas super satisfait de ce que j'ai fait, mais au moins ça a le mérite d'exister. S'il faut, je le referai, c'est pas grave. Franchement, c'est pas dramatique. Si je trouve que c'est pas bon, je le referai. Mais au moins, ça permet de le faire une première fois et de clarifier les choses dans la tête. Voilà, donc, comme ça, on a pu voir deux Cérès au moins jusque Kraid, avec les choses de base. Donc, pour le coup, les choses vraiment importantes, le Moonfall, comment on bat Bomb Torizo, le Mock Ball et le Great Quick Kill. C'est vraiment les choses là qu'il faut retenir à ce niveau-là. Voilà, on a fait, je pense, un bon quart du speedrun. Merci d'avoir suivi. Merci si vous avez suivi. Merci d'avoir regardé. Je vais mettre ça à dispo sur YouTube aussi, je pense. Pour que ce soit facile à voir pour les autres. Merci beaucoup. Salut, à la prochaine.